Hop, bon bah nous on a été récupérer la pince qu'on a acheté du coup à la concession. On rentre à la ferme. Nickel. Oui, alors monsieur Clément? Oui, bonjour. Bonjour, c'est la concessionnaire Godefroy Équipement. Oui. Je vous appelle pour vous dire que je viens récupérer le matériel qu'il y avait en test. D'accord. Et puis au passage, je vous amène aussi une grime de l'ETA, la Tektron. Ah oui, que Ouais. ah, Hugo m'avait prévenu. Voilà, donc je vous amène ça au passage avec le porte-char. Et puis je récupère le matériel qui est en. C'est Qu'un le test. gros massé du coup, c'est ça. C'est ça, c'est le gros massé. Hop, on ouvre la porte, nickel. Ben, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? À tout de Ah, ok, ça suite. marche. Ah, Hugo qui arrive là. Ah, salut! Ouais, la grille. Ouais, Clément, ça va? Ouais, toi? Non, moi, je t'emmène déjà une machine à betterave. La Ça machine à marche? patate va arriver et moi, j'ai recherché la deuxième machine à betterave. Ok, ça marche. Bah, je t'ai ouvert l'hangar, Ouais, tu peux le mettre dedans, tu te débrouilles. mais j'ai payé après les comme on avait convenu 500 et quelques euros. Ok, ça marche. Ok, bon, vas-y, moi j'ai rangé ça. Juste, il arrive. Ah, je vais changement. Salut! Ah, Ouais, rebonjour. Donc voilà la grime et la Tektron. rebonjour. Je vais laisser, je pense, le patron de l'ETA la décharger. Ouais, Allez, ça salut. va, Clément? Ouais, ça va et toi? Ouais, bah après tu poses le camion, après tu vas venir manger, après on part au foin. Ouais. Ok. Ben attends, je récupère le massé et puis voilà. Ouais, t'inquiète Du pas. coup, est-ce que ça serait possible que tu récupères plutôt le fen et que moi je garde le massé en fait? Parce que je préfère le massé qu'au fen. Le fen, il commence à avoir plein de mal d'heures. J'ai pas mal de problèmes avec, donc j'aimerais bien garder le massé et que tu reprennes le fen, quoi. Comme ça, comme c'était le même prix que tu m'avais dit. D'accord, mais y a pas de souci, y a pas de souci. Hein. Attendez, je vais vous Y a changer. pas, y a pas de souci. Je vais vous changer ce plateau du coup. Ah ouais, ça doit être descendu les ridelles, ok. Vas-y, recule. Hop. Oh. Les planches à se plier. Alors, C'est hop, bon. on allume la cibine, nickel. Attendez, du coup, je vais vous remettre la masse avec. Si jamais oh. Oui. Sinon je Attends, vais me du faire coup, engueuler m'avez par livré une masse pour aller avec. Hop, bon, nickel, ça s'attache la masse. Bon là. C'est bon, ouais, on sait pas plus parce que voilà. Ah ouais, t'as eu un nouveau plateau du coup, un nouveau camion. Ouais, j'ai reçu ça hier, ouais. Un nouveau Scania et j'ai reçu un plateau, une remorque bâchée. Donc Ouais. quand t'auras les palettes de laine pour venir te les chercher. Ouais, ça marche. Une cuve à fioul parce qu'on va, je vais aussi me lancer dans la vente de dans la production de fioul. Ah, c'est pas mal. Et un plateau à balles. Oh, bah nickel. Je saurai où appeler quand j'aurai besoin. D'accord, mais y a pas de souci après. Bah tiens, Comment? allez, le coq aime bien votre plateau, il nous monte dessus. Ouais. Ouais, Christian, Hugo. Non, je parle à l'agriculteur. Bah, D'accord, tu peux d'accord. revenir à la concession, après tu remets la machine à betterave, ok? Ouais, pas de souci. Ouais, Clément? Ouais. Tantôt, tu vas en dîner, toi? Près des cochons? Près de cochon, bah et ça c'est déjanté ça. Déjà en dîner, il a plus de table de clé? Ah, t'as déjà en dîner hier Ouais, soir? bah moi je. Ouais, du coup. Ah, oui, il faudra que j'attende que Clément revienne, le mec de la concession là, parce que. Lui demander s'il pourrait pas m'amener son semi. Voir Au pour changer semi. les. Ouais, son semi-remorque avec le plateau à botte. À botte. Bah, ouais, parce que j'ai pas de plateau moi pour la paille, rien. Non, mais t'inquiète pas, j'en ai acheté un deuxième.
Il est en occasion. Et j'en ai déjà acheté un 10 mètres. Je rentre. Mais lui, il a pas le devis, alors j'ai envoyé un mec de chez moi pour. C'est toi qui l'as chargé, c'est lui qui a conduit le plateau. Et quand nous, on aura terminé notre paille, j'ai aussi t'envoyé le Roland. C'est qui va presser chez moi là de vous? Là, c'est Clément. Et moi, je vais prendre des nez près des cochons. Après, lui, il va venir avec la crone et on va faire l'enlignage dedans. Directement, le temps qui. Au pire. Je lui dis de commencer par l'enrubanage. Au pire, tu que. Comme là, je rentre à l'ETA, tu que je t'emmène le plateau avec mon pick-up. Tu vas le faire. Et après, toi, tu l'attelles au télesco. Comme tu veux, soit tu veux le Roland, soit tu veux le nouveau. Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Le nouveau, je sais pas comment il est. T'es un chevron, tu vois, c'est, il a pas un délai. Je viens avec le télescope directement chez toi. Ouais, au pire. Donc il va, là, il va l'attaquer machin. Ouais, mais là, il va ramener la deuxième machine, mais. Moi, j'étais mal rangé. À moins que tu peux m'ouvrir à la porte des moutons. Comme regarde, j'ai des rangés comme ça, mais je peux pas plus, comme les machines, ils sont quand même grandes pour ton petit hangar. Tu ouvres tout ça là. Ah, t'es là. Ouais, il faudrait que t'arrives à ouvrir ça pour que je rentre et pour que je recule là. Comme regarde, là, c'est chaud pour. T'auras juste à repousser la porte après. Ah ouais, t'inquiète pas. Puis bah, celle-là est ouverte. Bah attends, bah viens, on va dans ton bureau de laiterie pour signer le contrat quand même pour que je te loue le bâtiment. Attends, et la porte, tu la fermes pas? Non, parce qu'il va revenir là après. Oui. Il y a les ficelles, t'auras juste enlevé les ficelles. Pour les moutons, j'ai enlevé les ficelles. Viens, on va signer le contrat, je vais dans ma pochette. Ok. Parce que sinon je le prends avec le massé. Et il y a... Comment on va pouvoir faire? Là, t'as vu, on. Je monte après avec. T'as vu, j'ai changé dans ton vibro en fait. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Merci. Quand tu étais parti en vacances, moi tu m'avais appelé pour changer dans du vibro, moi je l'ai fait. Ouais. Hop, vas-y, rentre. Non, bah, vas-y, viens, hop. Tiens, je te la mets là. Ouais, ça marche. Alors, j'ai vu le banquier et c'est. J'ai vu le. C'est 4, je te la loue 500 quelques euros. Ouais, bah c'était ce que je t'avais proposé. Ah bah voilà, c'est déjà pas mal déjà comme t'as. Ouais. C'est nous qui viennent faire les révisions, t'as. Pas que au cas où d'accident naturel, c'est à toi de payer. Et que ça. Mais vu comment on est dans quelle région là. Ouais. On a une tempête tous les 15 ans alors. Ouais. Bon bah c'est bien, bah, moi je te dis tu veux des bottes d'un 1m80 ou 1m60 en fait? Bah là je lui ai montré trois champs là à Clément là du coup. Ouais. Donc vous faites des bottes d'1m80. Ouais, mais avec la crone. Dans celui qu'il a été endainé hier. Ouais. Et à 1m60 j'ai. Il faudrait que. Attends, tu attends que... là. Ouais. Alors attends, ici nous on est. On est au point rouge. Au point rouge, voilà. Donc tu reprends aller jusqu'à la concession. Mmh. Tu redescends à côté, en dessous champ 45, tu vois, il y a une petite parcelle là. Il n'y a pas de numéro. Entre le champ 45 et 46. Ouais. Bah là, juste la petite parcelle là, il a qu'à me faire du 1m60. Ouais, et tu veux l'enrubanage ou tu du foin? Il va. Bah, c'est moi qui vais venir presser, comme moi je vais venir randonner après, mais par contre il faut déjà y en voiture au cochon. Comme là mon Caz et mon Renault là-bas. Ouais, Et le randonneur il est là-bas. Il y a la parcelle 9 là où il a été randonné hier, bah celle-là vous me la faites en enrubanage. Ouais, bah ça veut dire en mettre 80 avec la crone. Ouais. Et si tu veux faire de l'enrubanage dans la petite. La petite, tu me la mets en normal, en foin. Et là, la parcelle ouais, la parcelle hull verte là, le 1 vert, tu me la fais en foin normal. Tu me fais que le champ 9 en enrubanage en fait. Et le 1, tu veux des 1m80 ou un des 1m60? Qu'est-ce qui serait mieux, tu penses, toi? Moi, je pense que c'est mieux à 1m60. Hein. Bah, les 1m60, c'est la classe, et les 1m80, c'est la grosse crone. Tu vas prendre, tu vas mettre du 1m60 dans le champ 1 et dans le. Pour faire le foin, 1m60. Et 1m80 ouais. Pour l'enrubanage. Bon, aussi, tu peux faire du foin 1m80, mais. Ouais, mais bon, pas pour l'instant. Attends, si tu veux faire du enrubanage en 1m60, il faudrait que j'arrive à ressouder le. La rubaneuse, là il y a aussi celle que j'ai vu en vrai. Dans le champ 9 là en haut, tu mets de l'enrubanage en 1m80 et puis le reste tu mets en 1m60. Ok, ça marche. Bon bah voilà, hop. On va voir ça. Il y a là qu'il y a un champ d'enrubanage à faire. Ouais, bah le champ 9 là où il est en dénayé hier.
Ok. Attends, je vais juste refermer la Et les autres, ils sont déjà en DD ou tu vas partir en DD? Ils sont tous en DD là, du coup. Moi je vais ramasser là. Ah ouais. Ah ouais, tiens, il arrive. Bah ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, au pire, Tu viens chercher le plateau, le Roland, ou je rends ça à l'ETA. Ouais, mais moi j'aurais dit qu'ils me prennent le plateau là. Derrière canon, non? Comme ça, je À charge moins que tu veux que le. je te l'emmène au pick-up, avec le pick-up, si t'as d'autres trucs à faire. Je sais pas, je vais voir. Et il s'attache derrière le télescope. Oui, je pense. Puis s'il s'accroche pas, tu prends le gros Roland. Oui, au pire, tu vas chez toi du coup, ou. Ouais, là je repars. Là, Ok, ma voiture qui s'est j'arrive chauffée. avec le télescope du coup. Ouais. Moi, à toute. Ouais. Ouais, bon, du coup, il est parti. Moi, je saute dans le télescope. Hop, on met en route. On est parti, etc. Hop, clignotant. Du coup, on va aller chercher ça. Est-ce que je plateau le TA s'ils vont aller presser eux? Du coup. C'est là à gauche. Toujours en construction à la maison ici, Gast. C'est un nom en construction. Bon, on arrive à l'ETA. Allô? Ouais. Ouais, le plateau il est au concessionnaire. Jamais. Mais si jamais remarque, on peut prendre un Ouais, tracteur de chez nous. tu peux prendre le Roland au pire. Le Roland, ouais, si jamais. Ouais, je pensais prendre le Roland de toute manière. Ouais, comme ça Au t'en es pire, plus. toi, tu me le dis, au pire, moi je prends le Roland avec un tracteur. Et moi, est-ce Bah. que t'as en DD dans les champs que tu m'as dit? Au moins. Tout est en Bon, délire. moi je vais finir vite fait mes graissages et je vais tester la caméra. Oh, ouais, Clément? Ouais. Est-ce que t'as en DD au moins dans les champs que tu m'as dit? Ah ouais, j'étais tout en délire, Ok, bah moi j'ai dans le petit là, avec la classe. Ouais, bah j'arrive derrière toi du plateau alors. Ouais. Au pire tu m'appelles pour savoir si au pire Qu'est-ce que. tu me dis au pire si tu veux que je gêne avec un tracteur ou derrière le plateau. Tiens, tu peux venir juste me guider là-bas. Ah ouais, vas-y. Par contre, c'est quoi? On va sur votre CB ou on va sur la mienne? Maintenant on reste sur la mienne. Je te la donne, tu t'en rappelles Vas-y. encore? C'est deux. 2.6.2, on l'a changé. Ah ouais, vous avez changé. Avant c'était 8. Ouais. Hugo? Ouais. Bah, la caméra, c'est bon, ça marche, j'ai fini les graissages. Par contre, attends, je vais voir. Ouais, monsieur Clément? Ouais. C'est quel champ que je vous mets en Mmh. rubanage? Les deux qui sont Le derrière chez champ vous? que. Non, le champ que t'étais en rubané hier. Que j'étais allé prise Que. en délai. Ah ouais. Ok, d'accord, les deux, j'étais allé en délai, ok, pas de soucis. Bon, Sinon. Hugo, je décollais parce qu'il y a un petit peu de fond Ouais. là-bas. Hein. Non, mais moi J'ai oublié aussi. de demander. Combien vous voulez? 1,80 m. Ah non. 1,80 m. Elle fait pas la crue, la Ultima, je crois pas qu'elle fasse 1,80 m. Et elle fait. Elle fait 180. Ok. Ouais, 1,80 m. Du coup, ça marche nickel, la CB, hein, vous. Mais attends, je sais Ouais, pas, moi je vous entends bien, ouais. Ok, ça marche. Oh putain, hey, tu l'as monté à fond, je vous entends encore. Vas-y, il est là-bas le plateau. Ok. Hugo! Ouais. Je viens de regarder pour régler les rouleaux là. Elle monte qu'à 150. Hein. T'es Elle fait sûr? du 130 à 150. Ah ouais, elle fait 130 à 150. Hein. Regarde, il y a les graduations sur le côté. Regarde.
Monte là-haut, tu verras, il y a les graduations sur le côté. Et monte casse au maximum. Je viens de regarder les graduations. Non, mais c'est pas grave, fermé de 50, c'est pas grave. J'ai fait 150, ok. Allez, j'y vais. Je vais fermer tous les capots, c'est bon. Je vais replier la bâche. Bon, j'y vais, je sais pas si vous m'avez entendu, si j'ai ouais. J'y vais. Ouais, que dis attends. Ouais. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que marche? On va là-bas alors. Ouais. J'allume ma cibi, moi. Hop. Voilà. Bon, allez, les gars. Ouais. Je sais pas si je vais avec lequel. Ouais, ma GoPro, je sais pas, il faudrait que je la change. Pourtant, j'avais changé. Hugo? Ouais. Le cheval, soit il est à la concession. Ok. Moi, je vais le chercher ce soir, au pire. Ouais, on n'en a pas besoin tout de suite. Ah merde, il y a une meuf qui passe en premier. Allez. Merci. Tu te trompes, Hugo. C'est à droite. Non, c'est pas là. Non, c'est à droite. Le petit carré, non, c'est pas là le petit carré que tu m'as dit. Ah, il y avait celui-là aussi à faire. Celui-là. Ah oui, il y a celui-là. Mais Ah non? Tu m'as bien dit le petit carré là? Non, c'est le petit carré derrière la ferme, mais est-ce que celui-là fait? Est-ce que celui-là je l'en donnais, je sais plus. Ah, tu m'as dit pour la couper toi? Bah oui. Attends, je passe. Elle a rien à ramasser par là. Non, il y en a ramassé par là. Mais non, tu m'avais dit pour le champ de la copie. Bah derrière la ferme. Ah, après mon champ de. Ah oui. Là où t'avais. Où on s'était. Toi t'étais dans ton champ l'autre jour et que moi j'étais avec. En train de faucher et toi t'étais en train de broyer. Ah, d'accord. Je te m'avais dit pour de la copie moi au début. Ah là tu crois. Bon, pour ceux que ça intéresse, je suis arrivé au champ. On c'est bien. Hop. Je vais aller la déplier. Ouais, donc Oui, d'accord, c'est celui-là. Là, à droite. Mais pourquoi tu prends la pince en engrenage là? Parce que j'ai pas passé mon temps à détacher et rattacher. Ok, c'est bon, ça marche bien. Elle est comment cette caméra derrière cette presse? Cette caméra elle est vraiment commode, du coup j'arrive à voir ah, si bien, ça se traîne à rébaler ou pas. Le classé par contre il est en Chine là, mon dieu. Déjà plein. Ouais. Bah moi j'ai déjà fait deux boîtes, hein. Je suis en train de faire la troisième là. Bon attendez, j'ai fait une veste ailleurs. Terminé le champ. Ah ouais, moi je vais couper un peu la caméra. Ah moi aussi pareil, j'ai fait un petit peu de vue à l'extérieur.
le bruit du Dutch. Avec la... Ça va, c'est... On a déjà mis 5 bottes. Attention. Ah, t'as du rendement, là. Ah ouais, pas mal de rendement. Bon, là, je suis à 14 bottes dans le balai. Ah oui, pas mal. Et j'ai même pas fait deux tours de contourner encore. Gast, ça va... Ça va. Ah, je regarde, c'est une botte qui fait poser sur le plateau. Comment bon. Ah oui. Sur le plateau. Non, non, mais je croyais que Clément il m'avait parlé. Bah là j'ai fait un tour de détourage, 14 bottes dans le banner, c'est pas mal. C'est plutôt bien, ouais. Bon, attendez, moi j'allume la radio. Attends, elle est où sur la radio de merde sur le stage? On va prendre la vie. Non. Elle est où? Elle est là. Non, je vois rien sur l'écran, il faut le nettoyer. Je vais écarter la botte de là parce que... Ok, c'est arrivé. Ah, il est pas là. Ah, voilà. Putain, je me disais merde. Dire que ça s'ouvrait, ça chie pas mal de bottes tout ça. Il va falloir déjà que je change la première pelote de filet bientôt. Ah ouais, je peux encore faire 15 bottes et après il faut que je change la pelote. Ça, on a mis le plein hier soir. Ouais. Clément, ouais, des bottes qui sont tombées dans le chemin, fais gaffe, comme ils sont il y a des trous dans les... Ah ouais, putain, là, je suis en là encore, ma fille de putain. Voilà. Tu vas avoir deux bottes là-bas. Ah, le téléphone qui sonne, quelqu'un ? Ouais. Dans le tracteur. On va essayer de toucher Clément. Ouais, j'ai entendu à la CB, et la CB, elle est sensible, elle est sensible. Ah oui. Ah, c'est ça sonne téléphone. Ouais. On est en... je l'ai déjà dit, une coup on mangeait au resto. Non, c'était toi, on était chez moi, et il a le même bruit que mon fixe. Là, je cours vers mon fixe, plus pas d'Apple, je dis ma merde. Ça recommence. Je cours encore vers mon truc, et après mon fixe. Et l'autre, deux minutes après, il me dit « Ah maintenant, c'est mon téléphone !» Togar. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je racontais l'autre fois quand ton portable sonnait, et je croyais que c'était mon fixe. Ah non, mais désolé, c'est ma femme. J'ai mis une sonnerie comme ça, je sais si c'est elle qui m'appelle ou pas. Ah ouais, carrément. Merde, le con ! Putain, le bouton sur la pour fermer la porte de la presse, putain, il buggait cet enculé. J'ai préféré de ranger du bas plateau. Attends, on a plus le chemin là, déjà j'ai fait déjà deux bottes. Moi je suis à 20 ballots. Mais... Avec les mois, tu vas ramasser du foin et de l'urbanage. L'urbanage, ça va les poter, j'ai même pas encore fini le deuxième tour de détourage. Et je suis à 21 ballots. Tu as comme pas des genoux. Hop. Bon, après, j'ai tenu à te voir comme je vais faire. Faut que j'aille remettre de la ficelle après.
Ah, tu vas passer à l'enchant, vite fait. Ouais. Je pense que ça va pas terminer bientôt. Ah, comme je pense, il retourne à l'ETA. On prend les doigts de la presse. Ouais. Du coup, c'est dans le chemin que tu m'as dit qu'il y en avait qui avaient traversé la vallée là. Ouais, ouais, il y en a deux et un. Attends. Oh putain, non, les gars, j'ai oublié mon paquet de clopes. J'ai oublié dans la grime, je crois. Bravo. Non, c'est bon, je l'ai là. Oh. Ah, t'avais là, mis dans le Dutch. J'en vois deux là. Il y a une botte qui a traversé la haie par contre. Faudra regarder que la bâche s'est pas trouée, parce que jamais il faudrait y mettre du scotch. Ouais. Ah, Gris, t'as combien d'hectares d'orge à moissonner cette année? Je dois en avoir plus d'une dizaine là, sûr. Ah, moi aussi. Oh. On y est. Non, en blé. On est en 80. J'en ai plus en blé, moi. Ah, c'est normal. T'en as combien là en blé? J'ai remarqué. Je dois avoir plus d'une trentaine, hein, sûr. Nous on a. Parce que mes animaux, j'ai remarqué. 11 hectares d'orge, 30 de blé. Ou 40. 40 de blé. J'en ai 40 ou 45. 6 hectares de colza. Du maïs, je crois qu'on en a fait 1 hectare. J'ai mes animaux, j'ai l'impression cette année, ça dépend des années en fait. Il y a des années ils préfèrent du blé, il y a des années ils préfèrent de l'orge parce que c'est chaque année c'est pas les mêmes. Alors là, toi, la copée, on suit une nouvelle texture de ma nouvelle variété de l'espèce d'orge. Et là, on l'a essayé. Variété. Ouais, espèce. C'est en fait, il m'a mis dans la tête. Ah, il m'a dit c'est une nouvelle espèce d'orge et il me l'a mis dans variété la variété d'orge. Oui, mais c'est le mec de la copée. Ah, il m'a mis ça dans la tête. J'espère qu'elle va pas descendre cette salope. Sinon, je la bifle. C'était pas là, c'était juste là. Oh, moi j'ai engagé bientôt un stagiaire, moi. Comment? Ah ouais? Comme il veut être plus dans la mécanique agricole, lui. T'as. Comment il s'appelle? Je sais pas. Bah, t'as passé l'annonce en fait. Hein? Non, c'est un copain qui me l'a dit. Mais il me l'a dit son nom, mais je me rappelle plus. Ouais, d'accord. Et lui, il veut être plus dans la mécanique tôt et. Il va réviser les moissonneuses. J'ai lui apprendre à réviser une moissonneuse et. Et tiens, moi-même aussi, il va nettoyer un petit peu. Il va nettoyer l'atelier. Avec moi. Il va prendre le télescope et le godet et on va mettre de la ferraille. Et tout ce qui est au bout de truc de merde. Au feu, tu vois. Ah oui, hein. Alors la grille, si tu me donnes du boulot pendant les deux semaines à venir, bah pour les moissons, tu vas pas me voir. Ça dépend. S'il y a un trou pendant les moissons, tu vas pas me voir. Ouais. Voilà. Bon, moi j'ai cherché de la ficelle. Ah, attends, il faut que je termine ma botte. Après ça, je pense qu'il va en rester un tout petit peu, mais pas assez. J'arrive aux 30 ballots. Vas-y, Maclément, j'arrive au champ là. J'ai cherché une.
D'accord. Mais quand j'arrive au bout du champ, je t'entendrai quand j'aurai démonté un rouleau déjà. Le problème, c'est que si tu me prends le rouleau, ben moi j'ai plus de rouleau de réserve parce que là il va falloir que j'en mette un. Bah t'inquiète pas, j'ai venir te rechercher. Oh non, Ibanage, je suis pas super présent par rapport au foin, comme demain il pleut. Alors si t'as pas tout, si t'as pas fini de. En plus, il faut qu'il le ramasse aujourd'hui en plus, son foin. Il faut que j'en. Un rebanner encore, c'est pas un problème, il peut le laisser au bord du champ, Ibanage. Mais ouais. Il faut qu'il soit un rebanner, il faut au moins que je l'ai pressé. Ah merde. Faut que je l'ai tout pressé avant ce soir. Bon, ouais, dans 2 heures c'est fini. Non, mais t'inquiète pas, au pire tu peux aller en rechercher. Mais moi, il faut qu'il ramasse aujourd'hui, moi. Hein? Non, c'est pour ça. Ok, il faut que je bétaille aujourd'hui, il faut qu'il ramasse aujourd'hui, comme demain il pleut. Bah tiens, bah demain, on fait quoi, Clément? Non, on fait pas. On va ressouder un truc sur une benne qu'on va lâcher un copain. Et je sais plus qu'est-ce qu'il a eu avec son poste de soudure, et il faut qu'on le mette dans le pick-up, et on va ressouder sa benne. La ridelle? Ah, hein? La ridelle, on va ressouder? Non, le caisson. Là, il a eu un trou dans le caisson, je sais pas comment il a fait, et il faut qu'on ressoude ça. Ah, ok. Et aussi, on va un petit peu ranger l'atelier. Ouais, ouais. Bon, je vois que t'es pas loin, je vais éteindre la presse. Arrive à ton champ là. On va pas aller récupérer de la presse. Attends, t'es où? T'es là-bas. Bon, moi je vais couper un peu ma caméra là, je la redémarre tout à l'heure, je vais avancer un peu puis je la redémarre tout à l'heure. Hop, bon moi je coupe la caméra. Ouais, donc là on est parti à le champ où Clément a fini. Ouais, t'as fini du coup là, Clément? Ouais, il y a eu 59 bottes dans le balai. Ouais, nickel. Du coup, bah t'arrives avec un autre plateau? J'en ai avec un Tesco. Tesco? Ok. Bah, du coup, bah là, le plateau roulant, on a été déchargé et tout, nickel. On peut voir qu'il est déchargé dans le rétro là, on voit. Il y a plus de bottes. Ah, Gast, ça a du. Il commence à avoir du mal le télescope, il tire le plateau dans la côte. Remarque, je vais venir avec le plateau. Non, avec le télescope. Que... Et je prendrai le Roland au télescope. Il est plus puissant le classe que le Roland. Je sais pas, mais ça on verra. Ouais. Si tu peux me donner un coup de main, je change ça. Ah, du coup, vous avez bien avancé là, toi ou quoi? Ah, attends, je t'entends. Il faut que je baisse la radio, ouais. Mais quoi? Ouais, t'as réussi à finir ou il te reste encore à faire? Ah, mon pote, la prochaine fois c'est pas moi qui ai apprécié là. Ah ouais? Il est trop long ton chant. Bah, c'est du beau. Te fais pas, attends, je regarde au compteur de la presse. 45. Ça va. Que dans le champ là. Moi j'ai fait 60 ballots dans le même champ quand même. Et à 6 km/h. Mais ça c'est normal, ça c'est l'enrue. Ouais, la rubaneuse elle pompe pas mal donc, quand même de puissance au tracteur. Faut bien mettre, il faut bien mettre 300 chevaux. Faut que tu t'arrêtes cette merde. Une rue là tu vas avoir peut-être 60 balles au-delà de fond à ramasser. Pas dans celui-là mais en tout. Avec la place à un rebané de terrain. Ah bon? Comment? C'est au champ que j'ai pressé qu'on va là. Ah ouais, bah moi je suis toujours. Ok, bah moi j'arrive. Alors, il y a déjà une mode de mise.
suis en haut du champ, hein. D'accord. J'arrive. Ouais. À côté du champ d'orge. Ok. Oula. Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Ah bah 60, j'ai 59. Je suis là. Ok. Ok, allez, je vais mettre un crabe. Ok, c'est bon. Ah mais là, on a trois côte à côte là. Ouais. Tu les mets, t'en mets une sur chaque de ce que j'ai mis là tout à l'heure. De ce que j'ai mis sur le plateau, t'en remets une. Où ça ? Sur le plateau, ce que j'ai mis déjà. Oui, oui. T'en remets une par-dessus. De chaque. Ah, ouais, ok, ok. Au milieu ? Bah, par-dessus. Ouais, mais au milieu ? Non, par-dessus. Ok, on doit aligner. Ouais, pareil. Qu'on puisse en mettre deux encore dessus. Oh, deux. Ouais, et ça commence à glisser là. Je dois reposer. Ah mais c'est pas trop bon ça de prendre par deux les bottes. Ça mais c'était juste pour les amener. Ouais mais ça abîme les bâches même. Même pour les amener ça abîme les bâches. Après bon vous les avez. Après vous les avez payés, c'est pas notre problème hein. Oui. Mais vous voulez pas dire que c'est moi qui ai déchiré les bâches Vous inquiétez pas pour moi. Si ça déborde un peu. Il faut leur pousser un peu celle-là. Oh. Hop, bon bah ici on a fini de ramasser toutes les bottes des champs. Du coup, on rentre à la ferme, décharger le plateau dedans, le banage qui est derrière. Hop. Nickel. Fais gaffe ici. C'est passé juste. On met le clignotant. Ça passe, nickel les personnes. Nickel. Non, il y a plus de temps. Puis ben, on continuera demain de faucher.